Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, nous allons parler d'un type particulier de relations binaires, les relations d'équivalence. Alors dans la première vidéo, on a vu que une relation c'est un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, donc E et F, et que donc différents éléments peuvent très bien avoir la même image. Donc ça, on va dire comme avec les fonctions ou avec les applications. Par contre, un élément peut avoir plusieurs images. Et donc ça, vous n'avez pas ça avec les fonctions ou applications. Un élément peut très bien ne pas avoir du tout d'image. Et bien entendu, ici, un élément peut avoir plusieurs antécédents. Donc ça, c'est une relation dans le cas général. Alors nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux relations qui sont définies dans un même ensemble. Donc ça veut dire que l'ensemble de départ et d'arrivée sont identiques. Donc ECF. Alors par exemple, x a la même initiale que y, donc ma relation, elle est ici, ou e, c'est un ensemble d'élèves. Donc on peut imaginer un petit euh, schéma comme ça, avec 1 qui a la même initiale que 2, 2 qui a la même initiale que 3, 5 qui a la même initiale que lui-même, 6 qui a la même initiale que 5, et bien entendu, là on voit qu'on aurait envie de compléter avec d'autres euh, flèches. Donc notre but va être d'essayer d'organiser les éléments qui sont dans un ensemble. Donc plus précisément, de se dire bah, tous ceux-là, on dirait bien qu'ils sont identiques puisqu'ils ont tous la même initiale. Et ces deux-là ont également la même initiale, donc on a envie de les regrouper. Donc ça va être de mettre en relation les éléments de E selon certains critères. Donc c'est ça qu'on va appeler une relation d'équivalence. Dire que 4 est finalement équivalent à 3 puisqu'ils ont la même initiale. Donc ça va permettre de simplifier puisqu'on va pouvoir ranger les éléments en disant bah, finalement j'ai un paquet, j'ai un paquet. Alors si vous êtes dans un supermarché et que vous demandez à un vendeur où est le rayon des BD et si une autre personne demande où est le rayon des romans, on va vous répondre c'est dans le rayon livre. Donc on peut imaginer donc, que le vendeur a une paire de lunettes avec ici la relation d'équivalence qui va être qu'on me parle de BD ou qu'on me parle de roman, moi je vois un livre. Ce sont des lunettes qui permettent de simplifier la réalité et du moins de mettre les éléments ensemble suivant une certaine ressemblance. Donc un autre exemple, c'est dans un musée, Kandinsky, Clé, Mondrian. Si vous demandez avoir euh, un de ces tableaux-là, on va vous renvoyer vers l'aile des arts abstraits du musée. Et donc à travers les lunettes, donc de cette relation-là, on a une icône qui ressemblerait à ça, qui correspond à l'art abstrait. Alors un autre point qui sera intéressant par la suite, ça va être de pouvoir comparer. Donc est-ce qu'un tel est plus grand, plus petit, donc d'avoir une hiérarchie, donc on parle de relation d'ordre, et ça sera donc une prochaine vidéo. Alors on peut se demander quelle qualité doit avoir une relation pour pouvoir classer les éléments. Donc déjà, on aimerait bien que tous les éléments de E soient classés. Mais alors, si j'ai un élément qui est en relation avec personne d'autre, donc par exemple une voiture dans un supermarché, il n'y en a qu'une, eh bien, on va la classer avec elle-même. Donc, dit autrement, pour tous les éléments qui sont dans E, au minimum, il faut que l'élément soit classé avec lui-même, donc soit en relation avec lui-même. Dans ce cas-là, on dit que la relation est réflexive. Alors voici quelques exemples de relations réflexives ou non réflexives. Donc par exemple toutes les relations du type a la même propriété que donc x a la même propriété que y donc par exemple la même couleur des yeux la même hauteur etc. Eh Et bien forcément c'est réflexif puisque si je prends une personne elle a la même couleur des yeux qu'elle-même. Deuxième exemple si j'ai E qui est l'ensemble des entiers naturels avec la relation qui est x a pour carré y, ça ce n'est pas une relation réflexive. Alors pourquoi bah Parce que c'est vrai que 0 a pour carré 0, 1 a pour carré 1, mais 2 n'a pas pour carré 2. 2 a pour carré 4. Donc comme ça, ce n'est pas vrai en général, et bien cette relation a pour carré n'est pas réflexive. Donc autre exemple, si je regarde les droites du plan, la relation être orthogonal n'est pas réflexive tout simplement parce qu'une une droite n'est pas orthogonale à elle-même ça c'est faux alors que la relation être parallèle est réflexive une droite est parallèle à elle-même donc la relation d'inclusion est réflexive donc si vous avez un ensemble eh bien il est inclus dans lui-même donc des fois on note inclus ou égal hein, mais on peut noter inclus euh, tout seul par contre strictement inférieur, ce n'est pas une relation réflexive puisque 2 n'est pas strictement inférieur à 2. Ça c'est faux. Alors comment on peut savoir visuellement si une relation est réflexive ou pas Eh bien ça c'est très facile. Donc imaginons que les flèches blanches, donc ça correspond à ma relation et euh, donc les points jaunes c'est les éléments qui sont dans eux, eh bien cette relation n'est pas réflexive. Alors pourquoi bah, tout simplement parce que cet élément-là n'est pas en relation avec lui-même. Donc voilà, là ça me dit que cette relation n'est pas réflexive. Et donc si on veut rendre une relation réflexive, eh bien il faudrait ajouter des boucles. C'est-à-dire qu'ici, si je transforme ça en ça, là j'ai défini une nouvelle relation, bien sûr, c'est plus R mais c'est euh, je l'appelle S et cette relation là est réflexible. Tous les éléments sont en relation avec eux-mêmes. Alors on va voir une nouvelle façon de représenter des relations de ce type en utilisant donc des matrices donc que vous avez peut-être vues au lycée donc on appelle des matrices booléennes parce qu'il il n'y aura que des 0 et des 1 dans ces matrices là. Alors comment on représente donc cette relation là Donc je l'appelle C ici, eh bien vous allez mettre en ligne tous les éléments qui sont donc ici dans l'ensemble, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 1, 2, 3 jusqu'à la fin 6, et on va mettre en colonne 1, 2 jusqu'à 6. Et tout simplement, quand un élément est en relation avec un autre, on va mettre un 1, et quand il n'est pas en relation, on met un 0. Donc là, si je commence, 1 est en relation avec lui-même, ce qui explique le 1 ici. 1 est en relation avec 2, donc c'est bon. Et il n'est pas en relation avec les autres, donc j'ai des zéros tout le long. Et puis pour le deuxième, 2 est en relation avec le 3, effectivement, c'est la flèche qui est là, donc c'est le 1 qui est là, et on a des 0 ailleurs. Donc on remplit comme ça donc, notre matrice. Et ça nous donne donc, voilà, la matrice qui est associée à cette relation. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de rajouter les petites boucles Donc des petites boucles partout. Eh bien, la boucle, c'est simplement la matrice qu'on appelle identité, où chaque élément, donc le 1 est relié au 1, le 2 est relié au 2, etc., jusqu'au 6 qui est relié au 6. Donc ça, c'est ma matrice qui correspond bien aux boucles. Et donc, comment j'ajoute les boucles à ma matrice d'origine, et eh bien en faisant donc entre guillemets la somme, puisque ce n'est pas vraiment une somme que je fais, mais vous voyez le symbole que j'ai utilisé qui est donc ce qu'on appelle le OU, qui nous dit que quand j'ai un élément, par exemple celui-ci, qui était à 1, et que j'ajoute le 1, ça me fait pas un 2, mais ça me fait un 1. Donc c'est le ou logique hein, qui nous dit si c'est vrai ou si c'est vrai, et eh bien à ce moment-là, c'est vrai. Donc le 1 c'est le vrai et le 0 ça correspond au faux. Et par contre, si je prends quelqu'un d'autre, on va dire celui-là, lui il était à vrai, lui il était à faux, et donc quand je fais vrai ou faux, et eh bien je me retrouve avec un vrai. Quelque chose qui est vrai ou faux, ça devient vrai. Donc finalement, on rajoute les éléments quand ils n'existaient pas, et s'ils y étaient déjà, eh bien, ils restent sur place. Donc ça, euh, donc ça correspond à cette relation-là, donc à cette nouvelle relation-là. Donc ça, c'était R, et là, c'est S. Et on appelle ça, donc il y a un terme technique, on a fait la fermeture réflexive, puisque c'est euh, donc toute euh, la partie. Euh, euh, réflexivité qu'on vient de rajouter à notre euh, relation binaire. Alors cherchons une autre qualité pour notre relation binaire. Donc si j'ai X et je l'ai classé avec Y, et bien j'aimerais bien que Y soit classé aussi avec X. Donc ça peut paraître évident, si euh, le rayon, les livres de BD sont avec les romans, c'est que les romans sont avec les BD. Donc là, on se dit que si X est classé avec euh, Y, et en relation avec Y, on voudrait que Y soit en relation avec X. On dit dans ce cas-là quand R vérifie cette propriété-là que la relation est symétrique. Alors, exemple de relations qui sont symétriques ou pas symétriques. Donc les relations comme tout à l'heure a la même propriété que sont réflexives. Si x donc a la même couleur des yeux que y, y a la même couleur des yeux que x. Donc on peut le lire dans les deux sens. De même, dans les droites du plan les relations être orthogonales, être parallèles sont des relations symétriques. Si D1 est perpendiculaire à D2, je peux en déduire que D2 est perpendiculaire à D1. Et pareil avec parallèle ici. Par contre, les relations divise, donc ça comme on a vu dans la première vidéo, par exemple 2 divise 10, c'est une relation binaire sur les entiers. Par contre, elle n'est pas symétrique puisque ça ça m'implique pas que 10 divise 2. Donc ça c'est faux. Et l'inclusion n'est pas non plus symétrique, puisque si j'ai A qui est inclus dans B, ça, ça ne m'implique pas que B est inclus dans A. Voilà, donc il existe bien entendu des relations qui ne sont pas symétriques. Alors, comme tout à l'heure, est-ce que si j'ai une relation quelconque, donc qui n'est pas forcément symétrique, est-ce qu'on peut la transformer en une autre relation qui, elle, serait symétrique Alors la réponse est oui. Eh bien on va définir que x est en relation avec y, si x est en relation avec y, donc pour la relation du départ, là, donc qui n'est pas symétrique, ou alors l'inverse. Donc forcément, vous voyez ce qu'on dit, x est en relation avec y si ça marche d'un sens ou si ça marche de l'autre. Donc forcément, celle-là va être symétrique. Et donc qu'est-ce qu'on fait ben, C'est qu'on est en train d'ajouter les allers-retours. Donc les petites flèches, il faut qu'elles aillent d'un sens et qu'elles aillent également de l'autre. Donc concrètement, si j'ai le graphe d'une certaine relation, donc les petites flèches blanches ici, et eh bien le graphe de S, ça va être les flèches qui étaient ici, mais des deux sens. C'est-à-dire que si je vais par là, il faut qu'on puisse aller par là. Si je vais par là, il faut qu'on puisse aller par là. Et vous voyez que je n'ai pas touché ici au, à la réflexivité, c'est-à-dire que je n'ai pas rajouté les, les petites flèches sur, sur elles-mêmes. Alors petit exercice. On a un ensemble de filles et de garçons, et on nous dit que la relation A comme sœur, qui est définie donc sur cet ensemble-là, est symétrique. Voilà, on nous dit qu'elle est symétrique. Qu'est-ce qu'on peut affirmer à propos des garçons Vous pouvez faire une petite pause pour réfléchir à ce, cet exercice. Alors voici la réponse. Donc prenons petit g, un garçon, donc dans l'ensemble des filles et des garçons. Et on suppose que G est en relation avec une fille. Donc ça veut dire que G a comme sœur une certaine fille. On nous dit par hypothèse que la relation est symétrique. Donc ça veut dire que je peux inverser le F et le G. Et donc si je le lis en français, la fille a comme sœur le garçon. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que ça, ça ne peut pas être vrai. Et donc que les garçons n'ont pas de sœur. On ne peut pas trouver de fille qui sont ici en relation avec le, le garçon. Alors deuxième exercice, est-ce que la relation qui est là est symétrique Alors la réponse est non, il suffit de regarder est-ce que justement ce diagramme est symétrique, est-ce que cette matrice est symétrique Donc on voit ici qu'on a bien la symétrie, c'est vide, c'est vide, tout ça ça marche, tout ça ça marche, mais ici, il n'y a rien alors qu'ici il y a quelque chose ça signifie que d est bien en relation avec b ça c'est la croix qui est ici mais b n'est pas en relation avec d donc on voit bien que ce n'est pas symétrique un coup ça marche un coup ça marche pas alors voyons maintenant avec les matrices booléennes comment on peut remplacer donc une relation qui n'est pas symétrique par une relation symétrique donc là j'ai voilà cette relation là c'est la même que tout à l'heure avec donc cette matrice là et puis je veux donc rajouter tous les allers-retours. Alors ça veut dire quoi Eh bien les retours, ça correspond au symétrique de cette matrice-là. Donc un élément qui était ici, je le mets de l'autre côté. Et 1 était en relation avec 2, eh bien je veux que 2 soit en relation avec 1. Donc celui qui est là doit aller là. Donc ce qu'on appelle en mathématiques la transposée de la matrice. Donc le petit t, c'est pour la transposée. Donc on va transposer chacun des éléments. Donc le 1 se retrouve bien ici, etc. Donc j'ai mis tous les retours et, bien, et maintenant donc ça va être comme tout à l'heure. On va faire donc la somme. Donc ici c'est avec le ou entre la matrice que j'avais au départ et la transposée et on se retrouve donc avec cette matrice qui est obligatoirement symétrique. Donc là on a bien les éléments donc qui se répètent des deux côtés de la diagonale. Ça donnera donc ce graphique-là, où toutes les flèches seront maintenant des deux sens, donc on a tous les allers-retours, et on dit qu'on a fait la fermeture symétrique de la relation, et donc on a bien tous les allers-retours. Alors, troisième et dernière qualité pour notre relation, pour pouvoir classer des éléments, c'est de dire que si j'ai classé x avec y, et que j'ai classé y avec z, alors j'aimerais bien que x soit classé avec z. Donc dit autrement, x est en relation avec y et y est en relation avec z, ça ça devrait impliquer que x est en relation avec z. On dit dans ce cas-là que la relation est transitive. Donc les relations du type à la même propriété que sont transitives, donc évidemment si x a la même couleur des yeux que y et que y a la même couleur des yeux que z, x a la même couleur des yeux que z. Par contre, la relation a comme père n'est pas transitive. Si x a comme père y et que y a comme père z, x n'a pas comme père z, il a comme grand-père z. Donc cette relation-là n'est pas transitive. Les relations de division et d'inclusion sont transitives. Si 2 divise 10 et 10 divise 40, par exemple, je peux en déduire effectivement que 2 divise 40. Alors évidemment, là je le mets avec un exemple, hein, mais est, ça va être vrai dans le cas général. Et l'inclusion, si j'ai A qui est inclus dans B et B qui est inclus dans C, A est inclus dans C. Alors la petite phrase, les amis de mes amis sont mes amis, comment on peut voir ça comme une relation transitive Eh bien, ça veut dire que si un de mes amis a un ami, alors bah, ça doit être aussi un de mes amis. Donc, écrit de façon mathématique, c'est si un de mes amis a un ami Y et que moi je suis ami avec x, alors moi je suis ami avec son ami. Mais si on regarde bien, c'est exactement la définition qui est là-haut. M est en relation avec x, x est en relation avec y, et donc M est en relation avec y. Donc là, ce, hein, cet adage nous dit que la relation est ami avec est une relation transitive. Bon, évidemment, dans la réalité, c'est autre chose. Alors, comment, à partir d'une relation qui n'est pas transitive, alors comment je vois qu'elle n'est pas transitive bah, Tout simplement, on me dit que 1 est en relation avec 2, que 2 est en relation avec 3, mais on ne me dit pas que 1 est en relation avec 3. Si elle était transitive, je devrais avoir une flèche ici. Donc, comme elle n'y est pas, c'est que ma relation, là, n'est pas transitive. Donc là, j'ai la matrice qui est ici. Comment transformer donc, cette relation en une relation S qui serait transitive. Et bien pour ça, on va regarder donc toutes les composées possibles de la relation avec elle-même. Donc ça veut dire ici c'est en relation, ici c'est en relation, donc de là à là c'est bien x, x en relation rond, donc r rond r avec z, si je mets z. Et ça, d'après la première vidéo, on a vu que ça signifie qu'il existe entre les deux un y tel que x est en relation avec y et ce y est en relation avec z. Et bien dans la pratique, il suffit de prendre cette matrice-là et de la mettre au carré, donc de la multiplier par elle-même. Donc là, pour ceux qui ne savent pas du tout comment on multiplie des, des matrices, on remet exactement la même matrice, donc on recopie la matrice qui est là. Alors imaginons, je vais chercher par exemple le coefficient qui est ici. Donc ça veut dire qu'il est sur la première ligne et il est sur la troisième colonne. Donc première ligne et troisième colonne. Donc troisième colonne, je recopie, hein, c'est celle-là, c'est 0, 1, 0, 0. Eh bien, on prend le premier élément, on le multiplie par celui qui est là, deuxième, on le multiplie par le deuxième, troisième par le troisième, quatrième par quatrième, et on fait la somme. Donc ça fait 0 fois 0. Plus 1 fois 1, ah ben 1 fois 1 ça fait 1, et le reste ça fait 0. Donc j'ai bien un 1. Donc voilà d'où vient le 1 qui est, qui est ici. Et pour la première, par exemple le premier qui est ici, donc ça veut dire toujours cette première ligne. Par contre de l'autre sens, je recopie tous les 0 qui sont ici. Donc on voit bien que 0 fois tout ça, ça fera bien le 0 qui est là. Alors qu'est-ce qu'on peut lire sur cette nouvelle matrice Eh bien des choses très intéressantes. Par exemple que 1 est relié avec 3. Mais attention, il est relié par rapport à R rond R. C'est-à-dire qu'il existe un lien entre 1 et 3 en appliquant deux fois la relation. Donc c'est bien ce qu'on a dit ici. Relation, relation. Ah, effectivement, les deux sont. On peut aller du 1 au 3 en deux étapes. Là, il me dit que 2 est relié au 2. Pourquoi Parce que du 2, je peux aller en 4. Et si j'applique encore le R, puisque c'est un aller-retour ici, je reviens sur le 2. Donc là, il vient de me rajouter la petite boucle qui est ici. Et il me dit de la même façon que le 4 est relié au 3. Et bien effectivement, on va ici vers le 2 et ensuite on va vers le 3. Voilà, donc ça c'est la matrice qui me donne donc les, les relations avec R rond R. Alors pourquoi on va continuer avec maintenant R rond R rond R ben Regardez, si j'ai un élément, un élément, un élément, donc j'imagine que celui-là est relié, celui-là est relié. Donc là, si la relation est transitive, je devais de là à là. Mais si j'ai un autre point, hop, donc là je vais mettre une relation ici, il, est, il va de là à là, et ensuite il va de là à là. Donc ce point est aussi relié à celui-là. Donc il faut bien que je regarde également les éléments qui sont reliés avec 3 fois le r, 4 fois le R, 5 fois le R. Donc a priori il faut aller jusqu'à l'infini euh, ici. Alors là on va le faire avec donc, le 3, et quand vous mettez donc C à la puissance 3, donc ça veut dire cette matrice multipliée par cette matrice-là. Donc le principe est le même. Hein. Vous, vous reprenez la matrice qui est ici, et vous refaites les, les produits. Donc on retombe, donc là c'est un peu le hasard, sur la même matrice qu'au qu départ. Donc ça veut dire qu'il existe un lien entre 1 et 2, mais en l'appliquant R trois fois. Alors on peut essayer de, de retrouver ce lien-là. Donc 1. Va vers 2, 2 va vers 4, 4 va vers 2. Donc on peut effectivement aller de 1 vers 2 en appliquant 3 fois la relation. Donc bien entendu, si je faisais C puissance 4, C puissance 5, je retombe sur ces matrices-là. Et donc quand je vais faire la somme, donc avec le OU, de ça, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là, donc je complète tout simplement là où il y avait des 1, donc là il n'y avait pas de 1, donc ils vont se transformer avec des 1. Là, je rajoute donc un 1, je rajoute deux 1, donc j'ai bien le 1 et tout ça. Et j'ai donc, voilà, ma, ce qu'on va appeler la fermeture transitive de notre relation. Et donc ça va nous donner une nouvelle relation S, qui elle est forcément transitive et qui a beaucoup plus de flèches, puisqu'on a un petit peu là, je ne vais pas dire tous les cas possibles, puisque vous voyez qu'il manque certains, certaines flèches, mais en tout cas, euh, cette relation-là est transitive. Donc si vous ne voulez pas faire les calculs à la main, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez X Fourier, là vous tomberez donc sur le site de l'Institut Fourier où vous pouvez faire les calculs euh, donc, en ligne. Donc il n'y a rien à installer, on le fait directement dans le navigateur. Donc là par exemple j'ai noté la matrice, donc C deux points égales. On ouvre un crochet et on met les différentes lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Et je lui ai demandé de faire C plus c puissance 2, plus c puissance 3, plus c puissance 4. Alors pourquoi je m'arrête à 4 Parce que de toute façon, il peut pas y avoir des chemins plus longs que 4 quand vous avez 4 éléments. Donc là, j'ai euh, fait vraiment le calcul complet. Alors là, c'est un vrai plus. Donc c'est pour ça qu'on a des nombres. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez un nombre, ça veut dire qu'il y a un lien. Donc voilà, le fait qu'il y ait un 2 ou qu'il y ait un 17 ou autre, ou autre, vous, il faut voir ça comme une flèche. Il existe un lien entre les éléments. Alors, il existe un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Warshall qui permet de trouver la fermeture transitive d'une relation. Voilà, j'ai une relation ici. Eh bien, le programme qui est là, donc il y a trois boucles, et à chaque fois, donc on va écraser donc, ce qu'il y a euh, comme coefficient dans ma matrice par ce qu'il y avait avant. Et puis, on va regarder finalement ici, on voit bien la, la définition hein, de, de ce qu'on avait dans la première vidéo c'est est-ce qu'il y a un lien Est-ce que i est en relation avec k et est-ce que k est en relation avec j Si c'est le cas, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un lien entre le i et le j. Alors, ça, si vous voulez tester cette, cet algorithme-là, vous pouvez lancer Firefox, vous allez dans outils développement web et vous demandez à afficher l'ardoise. Donc vous allez voir, c'est une petite fenêtre volante et vous tapez donc le programme. Donc le programme, je l'ai appelé euh, Roy W, parce que c'est Roy Warshall, le, le nom complet, hein, qu'on voit ici. Là. Donc je l'ai appelé Roy W, qui a une matrice, va me renvoyer quelque chose. Donc j'ai mis une petite accolade. Ensuite, j'ai récupéré la taille de ma matrice, et j'ai réécrit les trois boucles, et j'écrase le coefficient qui est à la ligne i à la colonne j, par eh bien le test en faisant le et donc ça c'est le et que vous avez ici et le ou eh bien il est là donc j'ai mis que le coefficient c'est ça c'est une notation courte pour dire que c'est ça ou ce qui est ici et à la fin, je lui demande à me retourner c. Donc là, j'ai mis euh, tout source simplement pour avoir une, une notation un peu plus jolie. Mais sinon, on peut faire euh, return c. Donc si je le lance donc dans la console du navigateur avec donc la matrice bah, qui est là, la matrice de cette euh, relation euh, binaire, eh bien, il va me renvoyer 1 1 1 1 1, 1 partout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la fermeture de cette relation là, eh bien, il y a des flèches absolument partout. Et donc que le 1 est relié avec lui-même, le 2 avec lui-même, le 1 avec le 2, et vous pouvez vérifier à la main que en prenant n'importe quel élément, il est relié forcément avec tous les autres. Par exemple, 1 est relié avec 1, puisqu'on peut aller de 1 par ici, ensuite ici, et revenir à 1. Donc 1 est bien relié avec 1. Alors on arrive enfin à notre relation d'équivalence sur un ensemble. Et bien une relation d'équivalence, donc on va noter tilde comme ça. C'est une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Et on appellera donc la classe de x les éléments qui sont équivalents à x donc pour cette relation. Alors concrètement, donc si je définis par exemple a est en relation avec b si la différence entre les deux c'est un multiple de 2. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire que 1 il est en relation avec moins 17, puisque si je fais 1, moins, moins 17, ça fait 18. 18, c'est bien un multiple de 2, donc euh, voilà, ils sont bien en relation. Moins 17 est en relation avec euh, 2019, puisque voilà, si je fais la différence, c'est bien un multiple de 2. Eh bien, ça, c'est bien une relation d'équivalence. Alors pourquoi Parce que si je prends un élément, est-ce qu'il est en relation avec lui-même bah ben oui, puisque si je fais x moins x, ça fait 0. 0, c'est un multiple de 2. Si x est, un, est en relation avec y, est-ce que y est en relation avec x ben Bien sûr, puisque si je fais y moins x, c'est aussi un multiple de 2. Si maintenant x est en relation avec y et y est en relation avec z, ça veut dire que la différence est un multiple de 2, la différence est un multiple de 2. Si je regarde x, est-ce qu'il est en relation avec z, bah ben oui, la différence va être aussi un multiple de 2. Donc, quelle va être la classe de 1 Donc, quels vont être les éléments qui sont équivalents à x Eh bien, ce sont tous les nombres qui sont impairs. De la même façon, 0 va être équivalent à 170, équivalent à 2020, équivalent à n'importe quel nombre pair. Et donc, la classe de 0, c'est l'ensemble des nombres pairs. Alors, deuxième exemple on imagine qu'on a une droite D1, une droite D2 qui sont séquentes. Et on va définir donc une relation, donc que je note toujours tilde, par deux points sont en relation, si quand je les projette, donc projeter ça veut dire ici le point A, je vais le projeter sur D2 parallèlement à D1. Donc lui il se projette ici et le B se projette au même endroit. Donc je dis que les deux sont en relation quand ils se projettent au même endroit. Est-ce que tilde est une relation d'équivalence donc là, attention, il faut bien vérifier ça, ça et ça. S'il y a un des trois qui est faux, ce n'est pas une relation d'équivalence. Donc là, hein, là, on projette sur D2 le A, on projette sur D2 le B. Donc on voit forcément que si je mets un A ici, bah, l'égalité, elle est vraie. Si j'inverse le B et le A, bah, l'égalité est vraie aussi, le projeté est le même. Et si j'ai le projeté de A qui est égal au projeté de B et le projeté de B égal au projeté de C, comme j'ai ici l'égalité. Eh bien, euh, j'ai celui-là qui va être égal à celui-là. Donc, c'est bien une relation euh, d'équivalence. Alors, maintenant, quelle est la classe d'un élément Eh bien, ça correspond à tous les éléments du plan qui sont équivalents à ce point-là. Donc, à tous les éléments, donc c'est tous les éléments qui sont ici, qui se projettent à cet endroit-là. Donc, c'est la droite qui est parallèle à D1 et qui passe par A. Alors, je vous rappelle que notre problème initial était de classer les éléments d'un ensemble, donc ce qu'on appelle faire une partition de l'ensemble. Donc là, on va partir d'une relation quelconque, donc qui n'est pas forcément réflexive, ni symétrique, ni transitive. Donc voilà, ça c'est une relation dans un ensemble. Eh bien, à partir de là, on peut déjà commencer à faire un classement en mettant des points qui sont reliés, donc. Peu importe si c'est une flèche avec un aller-retour, s'il manque des flèches, simplement le fait d'être lié, lui est relié à celui-là, celui-là est relié avec celui-là. Donc sans tenir compte du sens des flèches, on va les mettre ensemble. Donc si je fais ça, donc les trois qui sont là sont reliés, ces deux-là sont reliés, ces deux-là sont reliés, et puis ceux qui sont donc finalement tout seuls, on imagine la voiture dans le supermarché, il n'y a qu'une seule voiture, eh bien elle est dans le rayon, par exemple elle est dans la galerie. Dans la galerie marchande, voilà, elle est dans le supermarché à un endroit précis. Et puis là, pareil, on a un élément qui est tout seul. Donc on a une partition. Donc partition, ça veut dire qu'on a bien recouvert l'ensemble des éléments. Chacun des ensembles ici n'est pas vide et ils ne se superposent pas. Donc ils sont disjoints. Eh bien, à partir de cette partition, on va pouvoir définir une nouvelle relation qui va être une, une vraie relation d'équivalence. Donc vous voyez qu'ici, on a complété, là, il manquait beaucoup de flèches pour que ce soit une vraie relation d'équivalence, et eh bien là, on a mis finalement toutes les possibilités. Alors comment on a fait ça Eh bien, en fait, c'est tout bête. C'est de dire que deux points, donc x et y, vont être en relation s'ils sont dans la même zone. Donc par exemple, ici, être dans la zone violette. Donc là, si je prends un élément x il est bien dans la même zone que lui-même, c'est pour ça qu'on a des petites flèches partout. Si x est dans la même zone que y, y est dans la même zone que x, et on a la transitivité. Et un élément qui est tout seul est dans la même zone que lui-même. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'une relation, on arrive à une partition. Par contre, de la partition, donc si je regarde que les couleurs, je suis incapable de retrouver la relation qu'il y avait au, au démarrage. Là je ne peux pas deviner qu'il y avait une flèche de ce sens là et qu'il n'y en avait pas de l'autre sens. Par contre, une fois que j'ai écrit ma nouvelle relation, qui est une relation d'équivalence, donc ici mon S c'est tilde, et eh bien cette relation d'équivalence, je peux revenir à la partition, de dire que ben voilà, ça c'est une relation, donc si je mets ensemble tous ceux qui sont reliés, ça me donne bien donc la couleur qui est violette, la couleur qui est bleue, etc et inversement, si j'ai cette partition là, je peux retrouver les flèches. Donc on voit qu'entre une partition et une relation d'équivalence, c'est exactement la même chose. Donc ça ça nous permet de définir un ensemble donc qui paraît abstrait au début mais en fait, c'est fait vraiment pour nous simplifier la vie. E quotienté par notre relation d'équivalence, c'est simplement ici les couleurs. C'est-à-dire que je ne peux pas distinguer cet élément de cet élément, ils sont équivalents mais ils sont donc dans une zone qui est la zone violette. Et de la même façon, ces deux-là, je ne peux pas les distinguer, ils sont dans la zone bleue. Alors voici deux exemples concrets de l'équivalence entre une partition et une relation d'équivalence. Donc je reprends A équivalent à B s'ils ont la même parité. Ça veut dire que 0 est équivalent à 2, équivalent à moins 6. Donc on a tous les nombres pairs, là on a tous les nombres impairs. Et donc si je regarde Z, au travers de ma relation d'équivalence, je ne vois que deux choses. Je vois des choses roses, je vois des choses oranges, et ça correspond donc au pair et au impair. Donc on peut imaginer une paire de lunettes avec notre relation d'équivalence qui ne voit plus que deux choses, donc qui vous simplifie la vie. Donc c'est là où il faut voir que cet ensemble qui paraît très abstrait, il simplifie finalement les choses. Il nous dit « Ne voyez pas tous ces nombres-là, ne voyez que des nombres pairs, que des nombres impairs. » Et donc, on a bien une partition des entiers relatifs en deux sous-ensembles, les nombres pairs, les nombres impairs. Alors, deuxième exemple, le rubicube. Donc, un rubicube est composé de 29 cubes avec, donc, des coins, un coin, un coin, donc un coin, ça va être tout ça, le cube qui est là, des arêtes, face et puis celui qui est caché donc on va appeler le, le milieu. Alors imaginons je définis une relation, donc je ne sais pas pour l'instant si c'est une relation d'équivalence, mais je dis qu'un cube est en relation avec un autre cube. S'il existe un mouvement, donc ce que j'appelle un mouvement, c'est faire tourner la face, faire tourner à, euh, la face avant, la face de droite, la face de gauche, qui va amener le cube C1 au cube C2. Donc la première question c'est déjà, est-ce que c'est une relation d'équivalence donc est-ce que C est en relation avec C Ben oui, là on peut le voir de plusieurs façons. C'est soit de dire je fais le mouvement qui consiste à ne rien bouger, ou alors je fais le mouvement face-avant et je fais le mouvement inverse F-1. Donc si je fais face-avant et je reviens, j'ai bien amené le cube C vers le cube C. Donc c'est clairement euh, réflexif. Si maintenant le cube C1 est en relation avec le cube C2, est-ce que le cube C2 est en relation avec le cube C1 et pour la transitivité, c'est pareil, si ce cube-là est en relation avec celui-là, donc il existe un mouvement pour aller de là à là, et il existe un mouvement pour les deux là à là, vous êtes convaincu que il existe un mouvement pour aller de là à là, c'est tout simplement la composée des mouvements que l'on a fait à ce niveau-là. Et donc on peut définir l'ensemble quotient, donc le Rubicube quotienté par ça, ça veut dire je mets mes lunettes avec donc, la relation d'équivalence, comment je vois le Rubicube Eh bien, je ne vois plus grand-chose, je ne vois plus que des coins. Pour moi, le coin qui est là, le coin qui est là, le coin qui est là, etc., sont les mêmes. Pourquoi Parce qu'il existe un mouvement qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc pour moi, ils sont exactement équivalents. Pareil, je ne vois plus que la notion d'arête, la notion de face et la notion de milieu. Et la partition donc, des 27 cubes du Rubicube, elle est bien composé de l'ensemble des coins, des arêtes, des faces et du milieu. Alors voici un exemple plus mathématique. Donc imaginons dans les réels, on met x est en relation avec y si x au carré est égal à y au carré. Donc là la question qu'on peut vous poser c'est est-ce que c'est une relation d'équivalence Quelle est la classe d'un élément et qu'est-ce que ça veut dire donc r quand je le vois à travers cette relation d'équivalence. Donc comment on fait ça ben, Ici, donc x équivalent à y, là on remarque que finalement si j'appelle f de x la fonction x2, j'ai une égalité. C'est est-ce que l'image de x c'est la même chose que l'image de y. Donc là ça devient évident que la, cette relation est réflexive, puisque est-ce que x est en relation avec x, ça veut dire est-ce que f de x est égal à f de x Bah ben oui, forcément. Est-ce qu'elle est symétrique ben, Si j'inverse le y et le x, est-ce que f de y est égal à f de x Ben bah oui, puisque les deux sont... Euh, on a l'égalité. Et la transitivité, bah c'est parce que aussi j'ai la transitivité ici. Donc le fait d'avoir écrit sous la forme d'une fonction égale à la même fonction, forcément, c'est une relation d'équivalence. Alors maintenant, on s'intéresse à la classe d'un élément x0 qui est réel. Donc ça veut dire, je cherche, donc j'ai x0, je cherche les y tels que le x0 au carré x au carré est égal à y au carré donc j'en déduis quoi j'en déduis que y c'est plus ou moins mon x0 dit autrement si je représente donc ma fonction x2 et que je prends donc un élément quelconque donc par exemple ici x0 je me demande quels sont les euh, autres y qui sont équivalents à x0, eh bien il faut que les deux me donnent x0 au carré. Donc x0 au carré, il y a également celui-là qui est moins x0. Donc je vois que pour chacun il y a deux éléments. donc ça me donne donc, toute, donc la première bisectrice et puis celle-là. donc il y en a toujours deux sauf pour 0, puisque pour 0, il n'y a qu'un seul élément qui va me donner 0. Il n'y a qu'un seul euh, élément équivalent à 0. Donc là, on va pouvoir décrire bah, justement les éléments qui sont dans R quotienté par notre relation d'équivalence. Ça va être donc la classe de x0, c'est l'ensemble avec plus ou moins x0 si x0 n'est pas nul. Et le cas particulier, c'est la classe de 0 qui est juste l'élément 0. On a une partition des réels, alors comment on voit ça eh bien, imaginez les réels. Vous allez avoir 1 avec moins 1. Donc là, vos, votre paire de lunettes n'arrive pas à distinguer 1 et moins 1. Elle n'y arrive pas parce que 1 au carré, c'est la même chose que moins 1 au carré. Donc pour vous, les deux sont en bleu. Vous ne voyez pas la différence. Racine de 3, c'est pareil que moins racine de 3. Donc on a des paires, finalement, ici, euh, pour tous les, tous les réels, sauf pour 0, qui lui est tout seul. Donc voilà, on a simplement une couleur différente pour, pour 0. Alors dernier exercice, on nous demande quelle partition définit la relation être orthogonale sur l'ensemble des droites du plan. Donc droite du plan, hein, c'est toutes les droites que vous pouvez imaginer dans tous les sens euh, ici. Alors là, on a un problème, c'est que cette relation-là n'est pas une relation d'équivalence. D n'est pas perpendiculaire à D, ça c'est faux. Donc elle n'est pas réflexive. Par contre, on sait qu'une relation quelconque définit une partition. Ça permet de mettre les éléments ensemble. Et qu'une partition va permettre de créer une relation d'équivalence. Et que la relation d'équivalence va fournir la même partition qui va donc créer la même relation d'équivalence. Donc vous voyez ici, c'est vraiment l'équivalence entre une partition et une relation d'équivalence. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'y est pas. On est à l'extérieur et il faut qu'on arrive déjà à rentrer dans la partition. Il va falloir qu'on arrive à trouver une relation d'équivalence qui contient la, la relation du départ, donc ici, être orthogonal. Alors, ça paraît un peu abstrait, mais vous allez voir que finalement, ça va se faire très bien. Donc là, j'ai la relation euh, donc, être perpendiculaire dans l'ensemble des droites. Donc par exemple. Cette droite est perpendiculaire à celle-là, donc forcément celle-là est perpendiculaire à celle-là. 2 est perpendiculaire à 3, 3 est perpendiculaire à 2, deux, ces deux-là sont perpendiculaires, etc. Donc je peux les regrouper, dire bah, si lui est en relation avec lui, si lui est en relation avec lui, bah, tout ça je les mets ensemble dès qu'il y a une flèche qui, euh, qui suit. Donc dès qu'il y a un lien. Voilà, donc là j'ai bien une partition. Maintenant, le problème, comme je disais, c'est pas parce que D1 est perpendiculaire à D2 et que D2 est perpendiculaire à D3, que D1 est perpendiculaire à D3. Ça c'est faux. Si D1 est perpendiculaire à D2 et que D2 est perpendiculaire à D3, D1 est parallèle à D3. Donc on voit que voilà, il n'y a pas de flèche ici. Donc ce n'est pas une relation d'équivalence. Donc comment ajouter euh, donc les flèches eh bien, j'ai qu'à me, euh, me changer donc ma relation et dire que je vais définir la relation qui va être être perpendiculaire ou être parallèle. Donc voilà, ça veut dire que j'ai une nouvelle relation qui est être perpendiculaire ou être parallèle. Donc ça comprend bien la relation être perpendiculaire, mais j'ai ajouté une, en fait une autre condition. Est-ce que tilde est une relation d'équivalence oui, parce que si je prends une droite, elle est bien cette fois-ci parallèle à elle-même, grâce à ça. Et puis, euh, donc voilà, si j'ai D1 qui est perpendiculaire à D2, et eh bien D2 va être perpendiculaire à D1, donc c'est bien, ça marche aussi. Et la transitivité, et eh bien ça marchera grâce au parallélisme. Donc, je peux définir maintenant euh, la classe d'équivalence pour une droite. Si j'ai une droite, quelles sont toutes les autres droites qui sont équivalentes à celle-là, eh bien, ce sont toutes celles qui lui sont perpendiculaires ou parallèles. Donc là, si D c'est celle-là que j'ai mis en un peu plus euh, épais, eh bien toutes les droites que vous pouvez imaginer qui sont perpendiculaires ou parallèles à celle-là font partie de euh, la même classe que D. Et donc avec nos lunettes, on ne verrait pas la différence entre toutes ces droites-là. Et si je prends une autre droite, eh bien, on a toutes euh, ces droites-là qui sont dans la même classe et si j'en prends encore une autre, toutes ces droites-là qui sont dans la même classe. Donc, en réfléchissant un peu, on se rend compte que pour n'importe quelle droite du plan, elle est quelque part dans un de ces euh, ensembles-là. Donc voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, nous parlerons de relations d'ordre. À bientôt.